Bonjour à tous. On va démarrer ce webinaire. Alors, je me présente, je suis Julien Michel de la société Éclore. Avant de démarrer, de vous présenter le sommaire de ce qui va se passer cette fin de matinée, je voudrais juste revoir avec vous quelques petites règles pour que tout le monde puisse bien nous entendre et que l'on puisse avoir des questions assez précises et une discussion propre. Je voudrais d'abord vous rappeler, si possible, d'éteindre tous vos micros, puisqu'on est nombreux ce matin, et encore merci à tous d'être présents. Et s'il était possible de bien couper vos micros, puisqu'on entend vraiment tous les petits sons derrière, et nous allons être certainement plus de 60 dans ce webinaire. Donc, merci à vous d'avance. Dans le webinaire, vous avez, en bougeant un petit peu votre souris, la possibilité de nous poser des questions directement via un chat. C'est donc une petite bulle de dialogue qui est présente sur votre écran. Je vous propose de nous poser directement vos questions sur ce chat par écrit. Et nous répondrons à vos questions soit directement pendant le webinaire selon le type de question ou plutôt à la fin du webinaire de manière à répondre peut-être à des questions qui reviendraient souvent et que tout le monde puisse avoir la bonne réponse. Je co-anime ce webinaire en partenariat avec notre partenaire Dualson Serge qui va se présenter tout à l'heure après ma petite présentation. Et je suis aussi avec notre spécialiste hybride chez Éclore pour ce webinaire. Donc le thème de ce webinaire est effectivement le solaire hybride pour les installations résidentielles, avec notamment une introduction à la technologie Dualson et aux saisies Dual One que nous avons conçues et lancé en commercialisation depuis ce début d'année. Alors, on va faire une présentation assez rapide d'Éclore et de Dualson, pour ceux en tout cas qui ne nous connaissent pas, et on va ensuite passer rapidement à la technologie hybride et les produits Dualson, enfin avec l'outil indispensable pour le dimensionnement des installations, le mail Dualson. Fabien, notre spécialiste hybride chez Éclore, va ensuite vous présenter nos solutions résidentielles avec notre fameux saisie Dual One et la partie l'option pour le chauffage piscine. Enfin, vous montrer évidemment quelques réalisations solaires hybrides. Et puis, on terminera ce webinaire par vous donner une date auquel nous allons organiser une première formation sur Dualson et nos produits au mois de septembre. Et puis, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, nous terminerons par les questions que vous nous aurez posées directement sur le chat. Alors, est-ce que tout le monde m'entend bien? Puisque je vois que Thomas me dit que peut-être le son de mon micro n'est pas optimum. Est-ce que peut-être dans le chat, vous pouvez me dire si vous m'entendez tous bien, s'il vous plaît, avant que je démarre? Très bien, écoutez, donc tout le monde m'entend bien. Merci, on démarre. Donc, Éclore, qui sommes-nous? Nous sommes un spécialiste de énergie solaire thermique et photovoltaïque, depuis plus de 15 ans aujourd'hui. Donc, sur le marché du photovoltaïque, nous assurons la distribution et l'assemblage de matériel sur deux segments de marché très distincts, qui est le site, donc tout ce qui est site non raccordé à un réseau de distribution. Nous avons une grande expertise et expérience sur ces domaines-là depuis même quasiment 20 ans aujourd'hui. Le connecté réseau, bien entendu, tout ce que l'on connaît à peu près tous, on va dire, donc tout ce qui est site raccordé au réseau de distribution, de toutes petites installations jusqu'à principalement les installations aujourd'hui de 100 kilos et nous espérons plus demain,
Et on peut aussi évidemment travailler sur de la fourniture de matériel pour des installations encore plus conséquentes. En solaire thermique, nous assurons l'assemblage et la fabrication aussi sur deux types de technologies, donc l'hybride, qui est le thème aujourd'hui de ce webinaire, en partenariat évidemment avec le fabricant Dualson, et en auto-vidangeable, où nous sommes fabricants de systèmes solaires thermiques auto-vidangeables, aussi bien sur des plans résidentiels que collectifs. Enfin, nos métiers et services pour les professionnels, nous assurons évidemment la distribution de matériel solaire, mais nous allons un peu plus loin, évidemment, dans cette démarche pour apporter un service. Nous faisons aussi tout ce qui est conseil, dimensionnement, bureau d'études auprès de nos clients et professionnels, installateurs, artisans, grosses entreprises, peu importe. Nous assurons vraiment ce côté service très important aujourd'hui dans le bon dimensionnement d'un système solaire thermique comme photovoltaïque. Nous pouvons aussi assurer une mise en service sur site ou à distance avec toute la gestion du service après-vente et la formation de nos clients professionnels. Nous fabriquons aussi des systèmes et des kits solaires totalement prééquipés, préassemblés. On voit en photo un générateur solaire photovoltaïque, par exemple. Et vous allez le voir plus tard, effectivement, avec notre Dual One, avec notre solution hybride. On va un peu plus loin que de pousser des palettes, si je peux me permettre d'employer ce mot-là. On rentre vraiment dans l'accompagnement auprès de cette chaîne pour que les projets photovoltaïques et thermiques se déroulent bien. Alors, qui sont vos interlocuteurs chez nous, puisque nous sommes basés sur deux sites, avec le siège social qui est basé dans l'ouest, à côté de Niort. Nous avons une agence commerciale à Saint-Priest aussi, à côté de Lyon, de manière à pouvoir répondre de partout en France métropolitaine, mais aussi à l'export. Au niveau de notre équipe technique photovoltaïque et hybride, nous avons effectivement Fabien Pellet qui est présent aujourd'hui sur ce webinaire, qui est notre spécialiste, mais aussi Fabrice Peslon et Nicolas Savario qui s'occupent aussi de tout ce qui est chiffrage et études. Au niveau de l'équipe commerciale, Jean-François Chavagnac et moi-même qui assurons la partie commerciale, avec pour information deux nouvelles personnes qui arrivent aussi dans l'entreprise prochainement, de manière à pouvoir vous épauler commercialement plus rapidement. Et enfin, évidemment, les meilleurs, notre équipe d'assistance des ventes et en communication marketing avec Marie, Hélène et Marine. Je remercie d'ailleurs Marine pour vous avoir tous envoyé et préparé ce webinaire ainsi qu'avec Dualson ce matin. Je laisse la main maintenant à Serge de chez Dualson. Serge, aussi, ouvrir ton micro et partager ton écran de manière à ce qu'on puisse avoir ta présentation. Alors, est-ce qu'on m'entend? On t'entend très bien. Parfait. Bonjour à tous. Je suis très heureux d'être là avec vous ce matin. Merci à Julien, à Marine et à l'équipe d'Éclore de donner à Dualson une tribune ce matin. Je vais effectivement partager mon écran pour vous parler de notre entreprise et de ses spécificités. Alors, je trouve le bon écran, c'est celui-là. Partager. Est-ce que vous voyez tous mon écran? Oui, on voit ton écran, tu n'as plus qu'à le mettre en diaporama. C'est parti. Ah, il est en diaporama normalement. Ah voilà, c'est bon, super. Bon, allez, c'est parti. Donc, on commence l'entreprise Dualson. Alors, Dualson, c'est une entreprise qui a aujourd'hui 10 ans d'existence et qui est née il y a 10 ans d'un constat très simple, un double constat d'une part technologique. En termes de technologie solaire, on a du photovoltaïque et du thermique. D'un côté, le photovoltaïque qui a un rendement relativement faible, puisqu'on transforme que 20% en moyenne de l'énergie reçue par le soleil en électricité. Et de l'autre côté, le thermique, le panneau thermique, que vous connaissez probablement tous également, qui a l'avantage de chauffer très bien, mais de chauffer parfois très fort également, et parfois trop fort par rapport aux besoins qu'il peut avoir dans le bâtiment. Donc l'idée de Dualson, ça a été de regrouper ces deux technologies dans un même produit pour aboutir à un panneau photovoltaïque qui fait à la fois de l'électricité et de l'eau chaude et qui va permettre
d'adresser les besoins énergétiques du bâtiment qui sont rappelés ici, qui sont pour moitié, grosso modo, du chauffage et pour un quart des besoins électriques et d'eau chaude. Donc, on aboutit très rapidement au moment de la création de l'entreprise au premier panneau solaire hybride, photovoltaïque et thermique eau chaude, donc ce qu'on appelle un PVT, T pour thermique, qui est certifié au monde. Ça, c'est très intéressant parce que c'est très différenciant dès le départ. Duelsen est un fabricant de panneaux exclusivement. On ne fait pas autre chose que les accessoires, évidemment, qui sont liés à l'installation directe des panneaux. Et après, tout ce qui est local technique, notamment pour les panneaux hybrides, ce sont nos partenaires distributeurs qui vous fournissent les kits complets, dont le fameux kit avec le ballon Dual One que va présenter Fabien un peu plus tard. Donc chez Duelsen, nous, on fabrique des panneaux hybrides qu'on appelle Spring et des panneaux photovoltaïques qu'on appelle Flash. Spring, ça veut dire ressort, vous allez voir pourquoi un peu après. Donc ce qu'on peut voir tout de suite, c'est que dans la gamme Spring et Flash, on a deux panneaux, les Black là, qui sont absolument identiques esthétiquement. Ça, c'est très important pour vous, installateurs en résidentiel, parce que vous allez avoir la possibilité de mixer dans une même centrale des panneaux qui sont hybrides pour faire de l'eau chaude et du photovoltaïque, puisqu'ils font les deux, et des panneaux uniquement photovoltaïques pour faire un complément, par exemple, à 3 kW. Ça, c'est très intéressant. Vous allez avoir une centrale solaire qui est esthétique et homogène sur le toit, ce qui n'est pas toujours le cas, évidemment, quand on utilise les technologies PV et thermique qui sont différenciées. Donc ça, c'est très important. Alors, on va regarder en détail le panneau Spring, puisque c'est celui qui vous intéresse le plus certainement. Le panneau Spring étant le panneau hybride de chez Duelsen. On a ici une petite animation dont j'espère qu'elle va pouvoir se lancer et que vous allez pouvoir la voir en direct. Est-ce que vous la voyez? On voit ton écran. Peut-être que je repartage différemment l'écran. Pouvoir regarder ça autrement. Partager. Alors. Pas sûr que j'ai parlé, mais je vais essayer quand même. Est-ce que là, on va voir une page YouTube? Oui, on voit une page YouTube, oui. Ah, c'est bon. Je vais vidéo parce que c'était un lien évidemment dans la présentation. Alors, voilà. C'est une présentation qui dure 1 minute, que je vous invite également à utiliser en clientèle pour ceux d'entre vous qui présentent la solution. Donc là, on rappelle ce que c'est qu'un panneau photovoltaïque. On utilise 20% de l'énergie et on perd 80% de l'énergie sous forme de chaleur. Donc l'idée de Duelsen, ça a été de récupérer la chaleur perdue pour en faire de l'eau chaude. Pour ce faire, on vient au dos du panneau photovoltaïque classique, insérer un échangeur qui va permettre de récupérer toute la chaleur qui est émise par la face avant du panneau et de la transformer en eau chaude au dos du panneau. Donc on voit ici l'eau qui circule dans l'échangeur qui est plaqué au dos du panneau et qui va se réchauffer au contact de la chaleur émise par l'avant du panneau. Donc ça a un double effet. D'une part, on va faire de l'eau chaude et on va aussi refroidir un peu les cellules en face avant pour augmenter le rendement photovoltaïque. Ce qu'on appelle ici le dual boost et le dual heat, en fait, pour la chaleur. Donc grâce à ça, on va pouvoir couvrir tout un tas d'applications. Bien sûr, le photovoltaïque, puisqu'on reste un panneau photovoltaïque, mais également tous les besoins d'eau chaude. Ça peut être du besoin dans la maison, pour l'eau chaude au robinet, pour l'eau chaude à la douche. Ça peut être du chauffage de piscine, ça peut être après des applications un peu plus conséquentes, comme des campings ou des restaurants d'entreprise en projet tertiaire ou commerciaux. Voilà un peu l'idée. Donc c'est un process qui est très simple, qui paraît très simple, c'est très simple à comprendre, c'est un peu plus compliqué à mettre en œuvre évidemment en termes de technologie. Mais voilà, en 1 minute, vous avez la présentation du concept en fait du panneau hybride. Donc ça, c'est pas mal à présenter à vos clients. Alors maintenant, il faut que je revienne aux fenêtres. C'est là, partager la fenêtre.
Normalement. Revenu sur la présentation. On est bien revenu. Donc là, on voit assez clairement, grâce à cette caméra thermique, en fait, l'effet refroidisseur du panneau hybride. On a ici des panneaux qui sont photovoltaïques simples, donc des panneaux que vous connaissez tous. Par une journée d'été où il fait 35 degrés, on voit que la face avant du panneau, elle va chauffer à une cinquantaine de degrés à peu près. Et ici à côté, on a des panneaux hybrides. Donc, je rappelle que physiquement, pour le client final, c'est la même chose sur son toit. Sauf qu'ici, on voit bien avec la caméra thermique que le panneau est beaucoup plus frais. Alors, ça reste relatif, hein. On est quand même, je sais pas, peut-être à 25 ou 30 degrés sur la barre là de température. Mais par rapport au panneau photovoltaïque à côté qui monte à plus de 50 degrés, voilà, on voit bien l'effet refroidisseur du panneau hybride sur la partie photovoltaïque. Donc, on vient vraiment capter la chaleur qui est en face avant pour faire de l'eau chaude en face arrière. Donc, ici, on va augmenter un petit peu le rendement photovoltaïque. Ça, le flash, c'est le panneau PV seul, et le spring, c'est le panneau hybride. Donc, en photovoltaïque, on produit la même chose. On produit un petit peu plus ici sur l'hybride grâce au refroidissement des cellules. Donc, on a un meilleur rendement. Et évidemment, on a toute la partie eau chaude au-dessus qui vient en complément. Donc là, avec le panneau hybride, on a un panneau qui a un rendement énergétique qui est jusqu'à 3 fois supérieur au panneau photovoltaïque. Ça, c'est une donnée qui est vraiment très importante pour vous à intégrer et à expliquer en clientèle. On a vraiment un panneau dont on peut tirer le maximum en termes de rendement énergétique par rapport à un panneau photovoltaïque simple qui est destiné à faire uniquement de l'électricité. Le panneau Spring en quelques mots, c'est un panneau qui est made in France, ça c'est important à signaler. Un panneau qui est fabriqué, assemblé à Jules-Jurieu. Donc le panneau photovoltaïque, on le reçoit, on le fait faire chez ce qu'on appelle des OEM, donc des fabricants qui sont aujourd'hui en Chine, qui travaillent en sous-traitance pour les grands fabricants de l'industrie et chez qui Duelsen a contractualisé des volumes. Donc on fait faire nos panneaux photovoltaïques chez ces gens-là, qui ont l'avantage d'avoir les lignes évidemment les plus automatisées au monde parce qu'ils ont les volumes en face. Ça n'aurait pas de sens pour une société comme Duelsen d'avoir une fabrication de photovoltaïque en propre. Ils n'ont pas assez de volume pour rentabiliser cet investissement qui est très lourd. Et enfin, ils ont des technologies qui sont très évolutives et ils changent très rapidement. Donc voilà, on profite vraiment de cette capacité. On fait faire les panneaux photovoltaïques là-bas, on les fait venir après à notre entrepôt de Jules-Jurieu, où on a également notre ligne d'assemblage des springs, donc des panneaux hybrides. Donc, on prend le panneau photovoltaïque qu'on reçoit et on vient assembler toute la partie hybride au dos du panneau. Et je dis bien au dos du panneau parce que ça tire dans l'épaisseur du cadre. On a des panneaux qui font 35 cm, 35 mm, pardon, d'épaisseur. Et dans ces 35 mm, on va intégrer toute la partie thermique du panneau hybride. Donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire que vous allez avoir, en termes de pose sur le toit, des systèmes d'intégration qui sont les mêmes pour le photovoltaïque et pour l'hybride. Vous n'avez pas besoin de changer de système. Si vous travaillez avec K2, vous restez avec K2. Si vous travaillez avec SDEC, vous restez avec SDEC, etc., etc. On va le voir un peu plus tard. Donc le panneau photovoltaïque hybride est made in France. Ça, c'est quelque chose que vous pouvez également valoriser en tant que tel. Le dual heat, c'est la production d'eau chaude. Le dual boost, c'est l'augmentation du rendement PV. Et on a un panneau qui est garanti 10 ans pièces et main-d'œuvre pour les installateurs agréés Duelsen. Pour être agréé, il faut avoir un calisol, il faut avoir une décennale, il faut avoir un calipv, il faut avoir posé déjà des systèmes en Duelsen. Donc il faut avoir un peu d'expérience pour avoir cette garantie de 10 ans pièces et main-d'œuvre en produit. Si vous débutez, vous avez de toute façon les 10 ans, vous n'avez pas la main-d'œuvre, mais vous avez de toute façon les 10 ans de garantie. Et 10 ans, ça peut paraître peu, mais il faut placer ça en comparaison avec des systèmes thermiques qui sont généralement garantis entre 3 et 5 ans. Donc l'hybride est garanti deux fois plus, enfin l'hybride de chez Duelsen est garanti deux fois plus longtemps en produit que les thermiques standards du marché. Après, sur la partie productive photovoltaïque, on a toujours 25 ans. Ça, c'est quelque chose que vous connaissez bien. En termes d'installation, on a voulu un produit qui est très simple. On a beaucoup de raccords rapides, notamment sur le X. C'est ce qu'on appelle une couronne de raccords qu'on vient utiliser au dos des panneaux en toiture pour en entrée et sortie d'eau dans les panneaux. On a ce petit raccord qu'on vient clipser au dos du panneau en entrée d'eau. On a le même en haut du panneau en sortie d'eau. On va injecter de l'eau fraîche, on va récupérer de l'eau chaude et après on redescend par des multicouches au local technique pour chauffer le ballon.
C'est quelque chose qui est relativement simple à mettre en œuvre en toiture, en tout cas. Pour le local technique, ça nécessite un peu plus de compétences. C'est pour ça qu'on demande un quali sol également, avec des compétences en thermique ou en chauffage, parce qu'on se rapproche beaucoup plus d'un local technique de ballon d'eau chaude, hein, tout simplement, avec valve d'expansion, etc. Compétences un peu particulières qu'il est nécessaire d'avoir de toute façon pour poser de l'hydro. En entretien, c'est assez simple, puisqu'on travaille à basse pression. En tout cas, c'est plus facile qu'avec un système thermique. On travaille sur des basses pressions. On a une température de stagnation qui est limitée, 80 degrés. Dans le circuit, la température ne montera jamais au-dessus de 80 degrés, même en stagnation. Pourquoi? Parce qu'on n'est pas en rayonnement direct pour chauffer l'eau. On travaille juste par récupération de chaleur. Souvenez-vous, je l'ai dit tout à l'heure, on vient capter la chaleur de la face avant pour la transformer en eau chaude. Donc, on a des températures qui sont relativement limitées. Pour information sur les températures de sortie, en été, on va monter jusqu'à 65 degrés en température d'eau chaude. Donc, la température qu'on va pouvoir injecter dans le ballon, hein, pour chauffer l'eau de la maison. Et en hiver, on sera au maximum à 35 degrés. Donc, ça veut dire que si vous voulez faire du chauffage, par exemple, il faudra systématiquement avoir un système d'appoint. Parce qu'en hiver, on ne sera pas suffisamment chaud avec juste les panneaux hybrides de chez Dyson. Donc, ça, c'est important à savoir. 65 degrés l'été, 35 degrés l'hiver. Un mot sur le panneau photovoltaïque, qu'on appelle flash. Je vais aller assez rapidement dessus parce que vous connaissez bien et ce n'est pas forcément l'objet d'aujourd'hui. Donc, retenez qu'en flash, en complément de celui-là, en black, qui est exactement le même physiquement. Après, on décline évidemment d'autres panneaux pour d'autres applications, notamment des applications plus industrielles. Pour le résidentiel, on a ce panneau black qui a l'avantage de chauffer plus qu'un panneau à fond blanc, hein, donc c'est intéressant pour nous pour générer de l'eau chaude. En plus, il est plus esthétique, donc ça passe très bien en résidentiel. Pour les applications tertiaires, on a des panneaux plus classiques en cadre gris, fond blanc. On va aujourd'hui sur des puissances qui vont de 300 à 360 watts. 300 watts pour le résidentiel, 330 également en black depuis peu. Et on monte jusqu'à 360 pour des applications agricoles, tertiaires, commerciales, industrielles. Voilà. En photovoltaïque, on va jusqu'à 25 ans de garantie, pièces et main-d'œuvre. Ça, c'est intéressant pour vous également à valoriser si vous n'êtes que sur une installation PV. 25 ans de garantie portée par un fabricant français, il n'y en a pas beaucoup, je pense, sur le marché. C'est effectivement un produit que l'on stocke aussi en plus de la partie hybride. Effectivement, le sujet d'aujourd'hui, c'est l'hybride, mais le module flash est aussi évidemment stocké chez Eclore sur la gamme que vient de présenter Serge. Merci Julien. Ici, donc, je mets en image ce que j'ai dit tout à l'heure au niveau des systèmes d'intégration. Donc, on a l'avantage, vu que sur l'hybride, on travaille vraiment dans l'épaisseur du cadre, d'avoir des systèmes d'intégration qui sont les mêmes pour le photovoltaïque et pour l'hybride. Donc là, on a listé un certain nombre qui sont sous ETN chez nous. Ce n'est pas les seuls avec lesquels on est compatible. On incrémente, on augmente régulièrement les marques et les références qui sont sous ETN. Donc, vous devriez pouvoir trouver vraiment chaussures à votre pied, comme on dit, en matière de système d'intégration pour poser des centrales hybrides en spring et en flash de chez Duelson. Vous avez ici des liens directs vers les tableaux de synthèse en fonction de votre intégration. Si vous êtes en surimposé, en intégré bâti, ça se fait de moins en moins, mais il y en a encore, ou en toit terrasse. Voilà, vous avez des tableaux de synthèse qui récapitulent toutes les structures avec lesquelles les panneaux Duelson sont compatibles. Je ne l'ai pas précisé au début du webinaire, mais ce webinaire est enregistré et à la fin entre aujourd'hui et début de semaine prochaine, vous recevrez par email le lien vidéo et évidemment le lien de documentation en PDF de ces présentations. Parfait. Alors, pour finir sur la présentation des panneaux, vous avez compris que Duelson focalise beaucoup sur l'autoconso. C'est vraiment le sens premier de la technologie Duelson, notamment du Spring, hein, puisque on est vraiment sur un concept full autoconso, même double autoconsommation, puisqu'avec le panneau Spring, on fait à la fois de l'électricité et de l'eau chaude. Quand le client n'est pas forcément prêt à partir sur du Spring pour des raisons X ou Y, des raisons de budget, parce que c'est sensiblement plus cher quand même en technologie qu'un panneau flash classique. Je laisserai
à Julien et à l'équipe Éclore le soin de vous chiffrer des kits, mais vous verrez que la différence est quand même sensible. Eh bien, vous avez toujours un produit de repli qui s'appelle le flash, le photovoltaïque seul, pour faire de l'autoconsommation électrique telle qu'on la connaît aujourd'hui. Le principal intérêt pour le client final, c'est vraiment ça, je pense, en tout cas, à mon avis, c'est de passer de ce qu'on avait hier, c'est-à-dire un PV plus deux thermiques, à ce qu'on peut avoir aujourd'hui en hybride pour faire la même chose. C'est-à-dire qu'ici, on fait de l'électricité et puis à côté de l'eau chaude. Ici, on fait avec le même produit de l'électricité et de l'eau chaude. C'est quand même beaucoup plus joli. Je ne vois pas qui pourrait dire le contraire, d'avoir une centrale uniforme sur le toit plutôt que d'avoir deux produits complètement différents. Alors, on passe maintenant à la construction et à la présentation de l'offre DualSun. Vous avez la possibilité de télécharger gratuitement un logiciel qui s'appelle MyDualSun. Donc, je vous invite, pour ceux qui sont intéressés à passer sur l'offre DualSun, à aller voir comment ça se passe. Je vais vous faire une petite présentation après, mais je fais vite parce qu'il me reste 5 minutes. Donc, ça, c'est accessible à tout le monde, aux professionnels et aux particuliers. Je suis Monsieur Dupont, je peux très bien faire ma projection de centrale solaire sur mon toit pour voir ce que ça peut donner en termes d'économie au bout de 25 ans. Alors, j'ai préparé une simulation pour vous. Alors, il faut que je puisse partager. Là, il faut. Est-ce que vous voyez ma nouvelle fenêtre? Oui, on voit bien. Alors, quand vous êtes sur le simulateur solaire MyDualSun, vous avez accès à cette page-là en tant que professionnel. Sur cette page-là, vous avez tous les projets DualSun que vous avez enregistrés chez vos clients X, Y et Z. Donc ça, c'est une première façon très intéressante de gérer en fait vos projets en DualSun. Vous avez ici sur une page tous les projets qui sont en cours de traitement pour votre entreprise en DualSun. Vous avez ici le statut. Est-ce qu'il faut que je recontacte cette personne? Est-ce qu'il faut que je lui fasse une offre? Est-ce qu'il a accepté le devis ou est-ce qu'il est en acceptation? Est-ce qu'il faut que je le visite, etc., etc. C'est la première chose. Ensuite, vous avez évidemment la référence du projet, le nom du client, son adresse, et ici un petit icône qui va vous dire le type de projet qui est concerné. Donc la douche, c'est pour un projet en eau chaude. Vous avez ici des projets qui sont des projets piscine. Ici, des projets qui sont des projets uniquement photovoltaïques, la petite ampoule. Voilà, trois types de possibilités. Donc moi, j'ai préparé le Monsieur Soleil là ce matin pour vous. On va voir que. Oups, j'y accède. Voilà. Ici, vous avez un petit œil pour y accéder. Et vous allez pouvoir voir comment ça se présente. Donc ici, quand vous faites nouveau projet, vous avez cette page blanche. Donc ici, vous entrez les coordonnées du client, son adresse. On est bien sur un projet de rénovation. On passe à l'étape suivante. Ici, vous avez la photo Google Maps de sa maison. Vous entrez, vous choisissez le type de toiture. Vous entrez ici les caractéristiques de longueur, de largeur et de hauteur du toit. Si le client vous avez ici une petite règle qui vous permet de mesurer en fait sur la photo en direct. Montrer. Vous avez ici, en direct sur la photo, vous prenez la règle et vous faites vos mesures comme ça. Là, on voit qu'on a à peu près 7 mètres de large par 4 mètres 50. Donc, moi, j'ai mis 4 mètres de, enfin, 7 mètres de large par 4 mètres de long, par défaut, pour être sûr de ne pas se tromper. On passe à l'étape suivante. Ici, on enregistre l'orientation. Donc, vous voyez, c'est très facile à utiliser, hein. Ça, c'est ce que le client final peut faire également quand il fait sa projection lui-même. C'est ce que vous pouvez faire pour lui à sa place, ou vous pouvez le faire avec lui, c'est même encore mieux quand vous êtes en clientèle. Après, vous choisissez quel type d'installation va l'intéresser. Est-ce qu'il veut un chauffe-eau? Est-ce qu'il veut chauffer sa piscine? Ou est-ce qu'il veut une installation PV? Donc, on va partir sur l'option chauffe-eau, puisque c'est ce qui vous intéresse.
Vous entrez le nombre de personnes dans la maison, on va dire qu'ils sont quatre. Ils ont aujourd'hui une chaudière, un ballon électrique, un ballon avec une résistance électrique, un bus. Et on passe à la suivante. Alors là, le logiciel nous dit, pour chauffer l'eau de la maison pour quatre personnes, il vous faut quatre panneaux hybrides. Vous pouvez en mettre au maximum 12 sur le toit par rapport aux dimensions que j'ai entrées, mais il en faut quatre pour chauffer l'hybride. Là, ce qu'il faut utiliser, c'est les quatre panneaux Serge, hybrides. Ouais. je te coupe juste 2 secondes. Je m'excuse, mais est-ce que Makaya, micro, s'il vous plaît. Je suis désolé, mais du coup, ça coupe beaucoup. Ça arrive ce matin. Mais si ou sinon, Serge, dans les participants, tu peux cliquer, vu que c'est toi qui as la main, tu peux faire un Voilà. clic droit et couper le son de tout le monde. Voilà. Alors, comment est-ce que je fais ça? Merci d'avance. Je ne sais pas où je peux faire ça, couper le son de tout le monde. Bon, voilà. Dans les participants, tu peux faire un clic droit sur les participants et tu peux couper le son pour tous. Je ne les vois pas sur ma page. Mais j'ai l'impression que le petit est parti faire sa sieste. D'accord. Donc on est bien. On est bien. Merci d'avoir coupé le micro en tout cas. Donc je reviens. Oui. Alors, pour chauffer l'eau chaude pour notre maison, donc le système propose quatre panneaux hybrides et on peut compléter avec six panneaux par exemple photovoltaïques pour faire un 3 kW. Donc on aura les quatre panneaux hybrides pour chauffer l'eau et les six panneaux photovoltaïques en plus, ce qui nous fait 10 panneaux pour la fonction photovoltaïque, donc bien 3 kW et les quatre panneaux en hybride. Donc ça, c'est prédit le système. Ensuite, vous avez ici, en tant que professionnel installateur, une page pour faire votre chiffrage. Ça, c'est très intéressant. Ici, par défaut, on entre des valeurs moyennes de marché, mais tous ces blocs ici sont accessibles et modifiables. Si vous pensez que le système de montage, ça coûte un peu plus cher que 666 euros, vous changez ici, vous mettez, j'en sais rien, 1000, ou au contraire, ça coûte moins cher, vous mettez 500 et le devis est mis à jour automatiquement. Ça, c'est pas mal. Ici, en bas, on déduit les offres. Ici, en l'occurrence, le CITE, le crédit d'impôt pour la transition énergétique, qui est de 380 euros par kilowatt crête jusqu'à 3 kW crête. Donc, on est bien à 1170. Et ça nous donne un devis ici à 13 277 euros que vous pouvez proposer à votre client. Encore une fois, ça, c'est vous qui construisez comme vous voulez. Ça, c'est pas mal. Vous pouvez le télécharger en PDF pour le présenter à votre client. Après, on passe aux hypothèses économiques. Je vais essayer d'accélérer un petit peu parce qu'on est presque, on a déjà au bout du temps, malheureusement. Je passe sur les hypothèses qui sont des hypothèses moyennes de consommation en France et on regarde directement les résultats. Ici, c'est ce que voit également le client final. Alors, le client final, il voit la même chose que vous, sauf que vous voyez en plus évidemment la partie chiffrage qu'on vient de voir ensemble. Le client final n'a pas accès à cette page de chiffrage, ça c'est bien clair, hein. Donc le client final, il voit quand il va se connecter lui-même sur le logiciel MyDualSense, cette partie-là. Donc il voit combien il va pouvoir faire générer d'électricité et d'eau chaude sur la période de 25 ans et combien il va pouvoir faire d'économies sur la même période. Donc là, en l'occurrence, il voit que le système va lui coûter 13 267 euros, c'est ce qu'on a vu ensemble, et qu'il va pouvoir faire des économies de l'ordre de 20 000 euros. Voilà, sur 25 ans. On peut télécharger tout ça sous forme de PDF. Donc voilà comment fonctionne le logiciel MyDualSense. C'est important pour vous de vous de jouer avec afin de le présenter correctement. Serge, excuse-moi, hein, vraiment, vraiment désolé. Je reprends la main juste 2 petites secondes, Serge. Vas-y, je t'en prie. Je suis désolé, mais je vais devoir couper le micro de quelqu'un parce que on n'entend pas. Je vous demande juste un instant. Makaya, s'il vous plaît, est-ce que vous pourriez couper votre micro? Je suis désolé, mais on n'entend plus notre présentation. On est bon? Bon. Un instant. Très bien.
C'est tout bon, Serge, tu peux reprendre. C'est bon, allez, on est parti. Je vais repartager. Bon. Merci. Voilà. Donc, je vous ai présenté le logiciel MyDualSense. L'intérêt pour vous, ça va être également de, sur une même adresse et pour un même client, de comparer plusieurs installations. Ici, on a fait un exemple sur une maison de 4 personnes située à Marseille. Et on fait une étude comparative pour 10 panneaux photovoltaïques de chez nous, de chez Dualsun, pour un 3 kW crête classique, on va dire, solaire photovoltaïque avec les panneaux flash. Et 10 panneaux photovoltaïques, mais simplement cette fois-ci 6 panneaux PV seuls et 4 panneaux hybrides. Donc on voit ici la différence. La première année, on voit que les 10 panneaux photovoltaïques flash vont générer une économie de 556 euros. Une économie, on parle bien de revenus. La même installation, mais cette fois-ci en hybride, donc avec 4 panneaux hybrides et 6 panneaux flash, va générer 870 euros d'économie. Pourquoi? Parce qu'il y a toute la partie eau chaude gratuite qui vient s'ajouter sur le photovoltaïque classique. Donc la première année, ça fait déjà 56% d'économie en plus, mais ça fait que 300 euros. Donc ce que va vous dire votre client, c'est que c'est bien gentil, mais 300 euros, ça ne couvre pas la différence de budget entre les deux installations. Donc là, il faut se projeter sur 25 ans. Donc, sur 25 ans, l'installation PV classique va générer à peu près 15 000 euros d'économie, alors que l'installation hybride va générer 26 000 euros d'économie. Là, on a 11 000, 12 000 euros d'écart entre les deux installations en termes d'économie. Donc c'est vraiment sur le temps que l'installation se rentabilise. Plus le temps passe, plus c'est intéressant et intelligent de passer sur une centrale hybride. On voit ici que l'écart se creuse sensiblement avec le temps. Une autre manière de le présenter, et j'en termine avec ça, c'est cette courbe. On a ici en rouge un foyer qui n'a pas d'installation solaire du tout. On voit que sur 25 ans, il a un coût d'énergie d'à peu près 40 000 euros électrique, hein. 40 000 euros d'électricité dépensée, on va dire, sur 25 ans. Une installation solaire en photovoltaïque, c'est la courbe jaune, elle coûte à peu près 8 000-9 000 euros en installé, en fournit posé. Et sur 25 ans, elle va générer à peu près 20% d'économie par rapport à quelqu'un qui n'a pas d'installation solaire du tout. Et l'hybride, qui coûte un peu plus cher, alors là, on est plus autour de 15 000 euros en prix installé. Hein, que là, on est plutôt 12 000, mais c'est plutôt 15 000 euros en prix installé. Pour vous donner une idée, hein, ça, ce sont des prix qu'on annonce, des prix publics. Évidemment, libre à vous de les faire évoluer comme vous voulez, mais nous, on a le devoir de communiquer sur des prix publics pour les clients finaux. Donc, on est à peu près sur 15 000 euros installés, avec des économies de l'ordre de 43% à la fin des 25 ans. Donc, une courbe qui est beaucoup plus plate, avec une date d'amortissement du système qui est toujours autour de 12 ans. Donc à partir de 12 ans, vous gagnez de l'argent, que ce soit en photovoltaïque simple en jaune ou en thermique ou en hybride, pardon, en bleu, et vous en gagnerez évidemment beaucoup plus sur le temps en bleu, puisque la courbe bleue est beaucoup plus plate. Donc ça, c'est facile à comprendre pour tout le monde. C'est très important pour vous d'insister sur cette notion d'investissement et non pas de coût. Parce que si vous êtes sur le coup, on est uniquement au moment où on achète. Donc, évidemment, le système hybride est plus cher que le système photovoltaïque. Ça, c'est clair, c'est indéniable. Par contre, plus le temps passe et plus c'est rationnel de passer, d'être passé aujourd'hui sur de l'hybride pour faire des économies, demain. On voit un peu la logique de Dualsun et comment on vend le système en résidentiel. On est aujourd'hui en fort développement, donc, ça fonctionne plutôt pas trop mal. Sur cet accès-là qui est très important pour vous, c'est ce qu'on appelle l'académie chez nous, c'est une foire aux questions. En fait, vous entrez un mot-clé et vous avez des réponses qui sont déjà préenregistrées. Par exemple, vous voulez savoir, j'en sais rien, combien de litres circulent dans un panneau Dualsun. Vous pouvez entrer ça dans le champ libre et puis vous avez la réponse qui apparaît. En l'occurrence, c'est 5 litres. Ou les rendements, par exemple. Quel est le rendement d'un panneau thermique? Vous tapez rendement et puis vous avez tout un tas de questions où le mot rendement apparaît, avec les réponses qu'on a apportées. Voilà pour moi, je te repasse la main. Merci Julien. Merci beaucoup Serge. Alors il y a pas mal de questions qui sont arrivées auxquelles Fabien a commencé à répondre dans le chat de manière à gagner du temps en tout cas. Et je vous propose en tout cas de rester bien jusqu'à la fin puisqu'on va répondre aux questions que l'on n'aurait pas encore répondues. Il y a même des questions qui, je pense, tu pourras répondre
toi-même, Serge, qui sont liés à ce que tu viens de présenter. On reviendra dessus d'ici quelques instants. Écoutez, en tout cas, vous êtes là aussi pour ça en cette fin de matinée, donc on ne va pas vous faire attendre très longtemps, hein. On va vous présenter tout de suite avec Fabien, si tu veux bien ouvrir ton micro, Fabien, sur justement les solutions résidentielles saisies du Dualone chez Eclore, en partenariat bien entendu avec Dualson. Bonjour à tous. Tout d'abord, est-ce que tout le monde m'entend? Oui, on t'entend bien, Fabien. Bon, parfait. Je vous remercie d'être présent. Moi, ici, vous présentez donc les solutions résidentielles avec la solution hybride. Je commence cette seconde partie donc avec le saisi Dualone que nous avons conçu et développé chez Eclore et mis en vente en ce début d'année 2020. Pourquoi réaliser un chauffe-eau solaire individuel hybride? Tout simplement pour pouvoir tout d'abord présenter à nos clients une offre complète et clé en main, que ce soit pour venir compléter leurs besoins donc en eau chaude sanitaire et surtout en même temps, grâce au panneau hybride, pouvoir réaliser de l'autoconsommation au sein de leur habitation. Ce chauffe-eau peut être adapté à la fois pour des applications résidentielles, mais également pour des petites applications tertiaires à partir du moment où l'installation reste en monophasé. Ce chauffe-eau se compose d'un ballon de 300 litres en polymère donc garanti à vue. À vie, pardon. L'avantage de ce ballon, c'est que la cuve étant garantie à vie, vous permet déjà, comparé à un autre système du marché, vous projeter vraiment dans le long terme, tout comme la garantie des panneaux ou autres sur votre installation. Ce ballon, il est totalement prééquipé et assemblé chez Eclore. C'est-à-dire que la station solaire, la régulation, le vase d'expansion ainsi que tous les composants nécessaires à son fonctionnement sont déjà préassemblés. Ce préassemblage représente un gain de temps considérable du coup pour nos clients installateurs lorsqu'ils vont installer chez le client final ce chauffe-eau. Ce chauffe-eau est également développé pour optimiser l'autoconsommation. Je vais l'aborder ensuite en vous présentant les différentes versions du Dual One. C'est-à-dire qu'on optimise à la fois la production d'ECS avec ce ballon, mais également l'autoconsommation et donc le rendement du panneau hybride qui, lui, de par ses doubles fonctions, permet d'apporter de l'eau chaude et de l'électricité. Ce kit Dual One, qu'est-ce qu'il contient? Il contient, lorsqu'il sort de chez nous, l'ensemble des composants nécessaires pour réaliser l'installation de manière complète. Tout d'abord, des panneaux hybrides et, si besoin, complétés par des panneaux photovoltaïques. En fonction, par exemple, des besoins du client en autoconsommation, on va premièrement dimensionner l'installation avec des panneaux hybrides en fonction de la localisation et des besoins. Et ensuite, en fonction des besoins également en électricité du logement et de la volonté du client à vouloir faire plus ou moins d'autoconsommation, on va pouvoir compléter l'installation par un certain nombre de panneaux photovoltaïques, donc le panneau flash de chez Dualson, jusqu'à une puissance de 6 kW. Les kits chez Dual One vont de 4 panneaux à 20 panneaux s'ils sont des panneaux en base de 300 watts. Tous en full black, le 300 watts spring et le 300 watts flash. Pourquoi le 300 watts? Tout simplement aussi pour pouvoir réaliser des installations de 3 kW crête pour ceux qui le désirent et donc avoir une. Choix par le client, dimensionné sur un calepinage type pour s'adapter très facilement sur les nombreuses toitures que nous pouvons avoir en France. Ensuite, bien évidemment, du ballon prééquipé avec l'ensemble des composants, station, vase, régulation et la pointe. Enfin, pour la partie photovoltaïque, le kit Dual One existe en plusieurs versions, soit avec des micro-onduleurs, soit avec le système onduleur de SolarEdge avec des optimiseurs en toiture. On a gardé ici pour cette gamme résidentielle la volonté de pouvoir
avoir un suivi panneau par panneau, donc pour le fait de l'utilisation des micro-onduleurs et du système SolarEdge, et le système SolarEdge aussi pour pouvoir aller plus loin dans le pilotage et le monitoring des installations. Et bien évidemment, en complément de tout ça, sont fournis avec le coffret AC, le coffret DC, le câble solaire et l'ensemble des connectiques qui vont bien pour pouvoir réaliser le kit complètement. Donc je vais vous présenter maintenant la première version du saisie en version standard. Voilà. Donc la version standard, c'est une version entre guillemets la plus simpliste, on va dire. Donc d'un point de vue thermique ou on va dire hybride, que l'on prenne une version standard ou autre, le ballon sera toujours équipé de la même manière. Les panneaux également. La seule distinction que nous faisons dans nos kits vont être par l'optimisation de l'autoconsommation. Donc, je vais expliquer tout ça. Pour optimiser l'autoconsommation, là, par exemple, dans le kit standard, donc c'est une solution qui va reposer uniquement avec des micro-onduleurs en phase. Donc, sur ce kit complet pourront être choisis en option au besoin les passerelles de communication de chez Enphase pour piloter le système. Et par contre, l'optimisation de l'autoconsommation se fait via la résistance électrique qu'il y a au sein du ballon pour faire l'appoint. C'est-à-dire que ce ballon est chauffé premièrement en eau chaude par les panneaux hybrides dans sa partie basse. Et puis, bien évidemment, les jours où le temps venait à être un peu gris, malheureusement, la partie, on va dire, thermique du panneau hybride ne va pas suffire à apporter les calories pour pouvoir préchauffer ce ballon. Donc, on est obligé d'avoir un appoint. Et donc, cet appoint va pouvoir être piloté de différentes manières. Et donc, vous le comprenez bien, quand on commence à parler d'autoconsommation, l'idéal, c'est bien évidemment de faire tourner la résistance électrique et même les autres appareils au sein d'une habitation en journée lorsque le système produit, et non pas la nuit en heure creuse, heure pleine, comme nous pouvons avoir l'habitude aujourd'hui. Donc, dans cette version standard, on n'a pas d'optimiseur d'autoconsommation. Le seul levier d'action que nous faisons pour piloter la résistance électrique se fait via la régulation solaire qui va pouvoir, via un relais, la déclencher en journée pendant un certain horaire qui est programmable dedans. Voilà. Donc là, on déclenche uniquement la résistance. C'est vraiment un mode on-off pour optimiser l'autoconso. Mais on n'ira pas plus loin dans cette version. Donc maintenant, si on passe à la version HEAT, donc c'est la version supérieure, donc on va garder exactement le même principe de pilotage, enfin on va dire de système photovoltaïque avec les micro-onduleurs en phase. Cependant, on va rajouter un système donc pour piloter cette résistance électrique complètement indépendant de la solution en phase. Donc il y a aucun lien entre les deux. Ce n'est pas le système d'onduleur qui va piloter la résistance ni la régulation solaire. Donc on va rajouter un petit boîtier qui s'appelle le Solary Boost. Et ce Solary Boost, lui, va avoir un fonctionnement bien spécifique, c'est-à-dire qu'il va avoir un fonctionnement au fil de l'eau. Donc pour imaginer tout ça, je vais prendre l'exemple, par exemple, une journée un petit peu grise. Le panneau Spring va produire très peu d'énergie calorifique, donc ne va pas suffire à réchauffer la cuve. Cependant, lui, le panneau, la partie photovoltaïque, va tout de même produire puisqu'elle repose sur la luminosité. Donc, lorsqu'on a la luminosité, on va quand même produire. Et donc, on va se dire, l'avantage, c'est que je vais pouvoir quand même déporter ma production et venir chauffer l'eau chaude dans mon ballon en journée, même si le temps est gris, mais d'une autre manière, via l'électricité. Donc ici, par exemple, en journée, au lieu d'avoir du surplus à réinjecter, je vais prendre l'exemple de quelqu'un qui a pris une installation en 6 kW de crête. Donc là, la personne en journée va avoir beaucoup d'énergie disponible. Et si on est sur une journée d'hiver et que cette personne, en milieu de journée, a 2 kW de surplus, eh bien, au lieu de réinjecter ces 2 kW dans le réseau, le Solary Boost va autoriser la résistance à se déclencher, mais uniquement sur la puissance disponible. C'est-à-dire qu'on va uniquement prendre les 2 kW disponibles, donc la résistance, elle, va se déclencher, mais uniquement à 2 kW, et venir réchauffer le ballon donc, avec ces 2 kW. Donc en fait, on est plutôt sur un fonctionnement sur le long terme étalé,
Et si jamais en fin de journée, si à 18 h je veux absolument de l'eau chaude, eh bien le Solary Boost, en fonction de la programmation qu'il aura eue, pourra autoriser la résistance, quoi qu'il arrive, surplus ou pas surplus, à chauffer le ballon pour que nous puissions prendre une douche le soir. Voilà, donc c'est la distinction avec avant, c'est vraiment un fonctionnement au fil de l'eau. Et donc là, le but recherché, c'est vraiment venir effacer des kilowattheures qui seraient consommés au prix fort par de l'autoconsommation plutôt que de revendre de l'énergie à 10 centimes sur le réseau. Et donc je vais terminer maintenant avec la dernière version, donc la version Power. Donc cette version, on change de système d'onduleur pour celle-ci. Donc on utilise désormais la solution SolarEdge, donc qui se compose à la fois d'un onduleur centralisé et d'optimiseur en toiture sous les panneaux. Donc là, attention, optimiseur uniquement pour l'aspect tracking au niveau des ombrages. Donc on garde le principe du micro-onduleur pour ça. Et on va également profiter de la solution SolarEdge, qui possède également une solution de régulation de la résistance électrique avec le régulateur thermoplongeur. Donc, dans le même fonctionnement que le Solary Boost, va pouvoir déclencher la résistance électrique au fil de l'eau lorsqu'il y a du surplus. Le gros plus de cette solution, c'est que là, nous avons une solution complète SolarEdge, c'est-à-dire que là, c'est vraiment le système onduleur qui va piloter la résistance électrique. Le fait de pouvoir avoir un système tout en un, c'est-à-dire que ici, le client final pourra également, par exemple sur son smartphone ou sa tablette à distance, piloter la charge de son chauffe-eau et à la fois avoir la main sur sa production photovoltaïque en même temps et interagir sur l'ensemble. Donc là, on est vraiment sur une solution complète, d'autant plus que SolarEdge présente également diverses options d'optimisation de l'autoconsommation pour le logement, comme par exemple la borne de recharge pour véhicules électriques. Donc des options qui sont aujourd'hui également ajoutées sur le kit Dual One, permettant vraiment pour le coup d'avoir pour le client final une solution vraiment adaptée à la fois pour ses besoins en eau chaude et en autoconsommation. Voilà. Donc il a été évoqué également le fait de pouvoir réaliser d'autres applications avec le panneau Spring. Donc là, on vient de parler surtout de production d'ECS avec le ballon Dual One. Le ballon Dual One peut lui également être couplé dans nos kits avec une option décharge piscine. Donc dans ce schéma, en réalité, nous venons uniquement rajouter en quelque sorte un circuit parallèle au Dual One avec un échangeur pour venir à la fois faire de la production d'ECS et de décharger pour réchauffer la piscine. Donc, je ne sais pas par contre si je peux avoir la main sur le pointeur. Donc là, sur ce schéma, en Et tu premier n'as pas la lieu, main, mais je te suis. voilà. Donc, les panneaux Spring, dans un premier temps, dans une installation comme celle-ci, vont d'abord charger le ballon. Donc, l'eau chaude va descendre dans le Dual One, réchauffer le Dual One, puis remonter dans les capteurs Spring. Ça, tant que le ballon n'est pas à température de consigne, ce sera ce mode de fonctionnement qui sera choisi. Le tout piloté par la régulation solaire du Dual One. Et ensuite, lorsque le ballon va être chargé au cours de la journée, eh bien, la régulation va venir piloter une seconde pompe, donc la pompe R2 sur le schéma, et qui, elle, en fonctionnement parallèle, va venir de la même manière faire circuler l'eau dans les capteurs, mais décharger les calories dans l'échangeur thermique pour que les calories puissent ensuite être redistribuées dans la piscine. Et donc ici, dans ce schéma, c'est la pompe de filtration de la piscine qui va faire circuler l'eau dans l'échangeur. Donc on met évidemment un bypass pour ne pas envoyer la globalité du débit dans l'échangeur. Mais ce système a donc une double fonction, à la fois faire de l'ECS et en complément du chauffage de piscine. Et enfin, je vais terminer avec l'option, donc uniquement le mode piscine pour le chauffage individuel. Donc ici, on a un fonctionnement vraiment très simple et très basique, mais qui a l'avantage d'être bien moins complexe en installation. Donc là, on oublie l'aspect ECS avec le ballon. Les panneaux Spring peuvent également être utilisés dans ce cas pour uniquement faire du chauffage piscine.
Donc ici, c'est vraiment la pompe de filtration de la piscine qui va faire circuler l'eau de la piscine dans les capteurs. Donc la pompe de filtration, lorsque la température des capteurs sera suffisante, via une 23 voies motorisée, on va autoriser ou pas à faire circuler l'eau dans les capteurs et de la même manière que précédemment, réchauffer la piscine de cette manière. Mais cette fois-ci, sans échangeur et sans surplus d'installation. Ici, on n'installe vraiment que des panneaux, un kit de raccord et de vidange pour l'installation à la fin de la saison pour que les panneaux puissent uniquement se vidanger, étant donné qu'on fait quand même circuler de l'eau pure sans glycol dans cette installation, vu que c'est de l'eau de la piscine. Mais voilà, là, on a l'avantage de pouvoir chauffer sa piscine avec une installation vraiment très simple. Voilà. Donc maintenant, on va passer aux exemples de réalisation. Donc aujourd'hui, différentes installations ont été réalisées sur le résidentiel avec des Dual One ou sans pour le chauffage piscine. Donc la première en haut à gauche a été installée à Lorient très récemment. Donc 6 Captor Spring avec un kit Dual One standard, donc sur un toit terrasse, viennent apporter les calories nécessaires et les besoins en autoconsommation pour un logement. Ensuite, un kit Dual One Heat avec une option décharge piscine a été réalisée avec 10 Captor Spring à Nîmes. Donc ici, on voit que cette installation est couplée avec le Dual One. C'est la seconde option qui vous a été présentée en ECS plus piscine. Donc on a bien le Dual One avec sa station prééquipée et avec la seconde pompe en parallèle pour venir décharger dans la piscine lorsque le ballon est chargé. Et enfin, la dernière en bas à droite, donc le chauffage de piscine directe. Donc ici, une installation avec 8 Captor Spring en Vendée où les panneaux viennent directement avec l'eau de la piscine réchauffer une petite piscine résidentielle. Donc sur cette piscine, il y a zéro à point, c'est vraiment les capteurs hybrides qui viennent réchauffer la piscine dès que l'énergie est disponible. Enfin, pour terminer, donc on fait également donc des réalisations résidentielles, mais aussi tertiaires et industrielles avec ce panneau hybride. Donc une réalisation qui est actuellement en cours d'installation, donc de taille plus importante. Donc la maroquinerie Hermès à Montreux-Fonionne, où là sont installés 160 capteurs spring couplés sur un ballon de 6 000 litres. Donc ce ballon de 6 000 litres sert à faire de l'ECS et du chauffage d'eau pour du process pour l'usine Hermès. Et donc derrière cela sont présentes deux packs pour faire la pointe. Mais ce sont vraiment les capteurs spring qui font tout le chauffage primaire de cette installation. Et ensuite, une seconde installation, donc ici, petit tertiaire de taille moyenne, où 30 capteurs hybrides sont installés en toiture tuile en surimposition pour faire des besoins en ECS pour un établissement de type ITEP. Voilà. Merci Fabien, merci beaucoup. Je reprends la main pour la fin de ce webinaire en vous communiquant d'ores et déjà, alors après toute la présentation, on va revenir à vos questions, mais je fais un petit peu l'effet d'annonce en vous informant tout de suite et pour cela, vous recevrez une communication pour une formation qui se déroulera le jeudi 3 septembre 2020 sur Sainte-Maxière à notre siège social, une formation en partenariat toujours avec évidemment Dualsun et sur la manière donc comment installer aussi ces panneaux hybrides, une formation commerciale mais aussi technique donc qui peut avoir de l'intérêt pour vous et vos différentes équipes. Nous pourrons bien entendu selon les demandes de formation en programmer une autre sur les différents autres sites comme le site de fabrication de Jujurieux dans l'Ain, proche de notre agence commerciale de Lyon, bien entendu. Alors, on va revenir, je pense, je vais demander à Fabien de rester avec son micro ouvert et à Serge. Je vous propose de refaire un petit point sur les questions qui ont été posées. Alors, certaines ont été répondues, mais on va quand même repasser parce que ça peut en tout cas avoir de l'intérêt pour tout le monde d'avoir toutes les réponses. On va essayer de faire ça assez rapidement. Donc, comment est-ce qu'on dimensionne une installation? Loïc a posé la question et il y a eu une réponse. On dimensionne effectivement généralement une installation hybride par rapport évidemment aux besoins en ECS
Et puis, en fonction des besoins en autoconsommation, on peut compléter l'installation avec des panneaux flash qui sont photovoltaïques. Nous l'avons notamment sur notre produit Dual One, où nous démarrons, comme on l'expliquait tout à l'heure, avec quatre panneaux PVT, hein, hybrides, et pour lequel on peut compléter jusqu'à 20 panneaux PV, donc photovoltaïques. Donc, on sait et on peut adapter, encore une fois, toutes les installations type résidentiel ou tertiaire avec le nombre que l'on souhaite. Pour cela, on fait effectivement un dimensionnement précis selon évidemment l'étude, la consommation, le type de toiture et plein de choses pour faire cette étude. Un panneau Dual Spring fait environ 28 kg pour 1,65 mètre carré lorsqu'il est chargé en eau. Et non, il ne travaille pas en auto-vidangeable, Christophe, effectivement. C'est un panneau qui fonctionne sous pression uniquement, puisque de toute façon, ce panneau ne surchauffe pas l'été, comme l'a expliqué Serge tout à l'heure, avec une soixantaine de degrés en fonctionnement l'été et 80 degrés maximum en stagnation. Donc, effectivement, nous n'avons pas besoin de fonctionner en auto-vidangeable. Sylvain nous posait la question de préciser la garantie de réassurance. Et effectivement, c'est que Dualson, en plus de la garantie de base qu'ils donnent, ils ont clairement pris une assurance supplémentaire de 10 ans en cas de défaillance de Dualson. Et ça, c'est une vraie aussi plus-value et un gage de qualité pour nous, partenaires Eclore et partenaires de nos installateurs. Si peut-être Serge, tu veux compléter. Est-ce que vous m'entendez? Oui, on t'entend. Oui, effectivement, cette réassurance est, bah, comme tu le dis, un gage de sécurité par rapport à l'investissement. Ça veut simplement dire que si jamais Dualsun, qui est encore une jeune entreprise, puisqu'on n'a que 10 ans, 10 ans d'ancienneté, on se développe très fort, mais bien placé pour avoir travaillé 5 ans chez SolarWorld, pour dire qu'on ne sait pas de quoi demain est fait, notamment dans le solaire. Si jamais Dualsun disparaît, la Schupp, qui est un gros assureur américain, prend le relais sur toutes les garanties produites pendant 10 ans. Donc voilà, c'est une sécurité d'investissement pour nos clients. Alors ensuite, on nous parle d'inclinaison. Bah écoutez, effectivement, l'inclinaison en solaire est importante. Bien entendu, après, on fait aussi en fonction du site sur lequel nous sommes. Et évidemment, ça dépend des régions, dépend du type de bâtiment. Est-ce que nous sommes sur une toiture inclinée, une toiture terrasse et autres? En tout cas, nous savons, nous, Eclore, adapter nos études et nos devis en fonction de ce que l'on nous donne en cahier des charges, et évidemment, on s'y adapte. En tout cas, on oriente le panneau et de la même manière, enfin, on n'orientera pas de la même manière un panneau à Lille qu'à Marseille. En tout cas, on prendra tous ces éléments en compte dans le dimensionnement. Quel type d'onduleur? Donc, dans le système, effectivement, on a parlé de micro-onduleurs, notamment pour les petites installations. Ces micro-onduleurs sont assez pertinents, mais aussi avec des solutions SolarEdge que Fabien a présentées avec des optimiseurs et les différentes options possibles pour rentrer encore une fois dans l'optimisation de cette autoconsommation. Alors après, il y a eu des questions, surtout pour toi Serge, sur la partie un petit peu commerciale, avec des valeurs un petit peu de coût. Alors tu as donné des prix publics, hein, Serge, c'est évidemment pas forcément les prix qui sont appliqués par tous, mais en tout cas, voilà, ce sont des données que vous donnez chez Dualson, hein, c'est ça? Ce sont des prix moyens, effectivement, constatés sur le marché, et les prix publics que sur lesquels on communique ouvertement par l'intermédiaire de notre catalogue. Grosso modo, un système comme je l'ai présenté, hybride, avec 4 panneaux Spring et 6 panneaux flash pour faire 3 kW PV et couvrir le besoin d'eau chaude de la maison pour 4 personnes, il faut compter à peu près 15 000 euros en fournis posés. C'est sensiblement plus cher qu'un PV, je l'ai dit. Un PV pour un 3 kW 100% PV, on va être autour de 8 000, 9 000 euros en fournis posés, voilà, peut-être même un peu moins. Donc c'est sensiblement plus cher, clairement, un système hybride qu'un système PV. Pourquoi? Parce qu'il y a toute la partie locale technique qu'il faut prendre en considération.
Pas la partie toiture, la partie toiture, ça va assez vite. C'est vraiment le raccordement au local technique, la descente des flexibles. Et encore, on travaille avec du multicouche, donc c'est beaucoup plus facile à travailler que que de la tuyauterie métal, comme on peut avoir sur le thermique, parce qu'en thermique, on est en plus forte température, ne l'oubliez pas. Donc, on a besoin de tuyauterie qui résiste à ces fortes températures. Ce n'est pas le cas sur l'hybride, donc on travaille en multicouche, mais il faut quand même 2 jours, il faut compter 2 jours à deux pour installer un 3 kW hybride PV plus eau chaude en DualSun. Donc voilà, c'est ce temps de pause ajouté au matériel supplémentaire également pour la partie locale technique qui fait la différence de budget au final. Merci Serge. On nous parle aussi, j'imagine que tu parles en prix en surimposé, hein, puisqu'il y a eu la question. Oui, globalement, on ne parle plus du tout de système intégré maintenant. Donc nous, par défaut, on parle en surimposé. En toit terrasse, je ne sais pas, ce sera peut-être un peu plus cher. Là, ce qui va faire la différence, c'est le coût de la structure, en fait, hein, uniquement. Sinon, tout le reste, on va gagner un peu de temps sur la pose parce que ce sera plus accessible, forcément, qu'en toiture. Mais le coût de la structure sera peut-être un peu supérieur, donc l'un dans l'autre, ça doit être équivalent, toit terrasse ou surimposé. Alors, on nous a posé des questions un petit peu techniques par la suite. Fabien, tu pourrais répondre peut-être sur la résistance, la puissance de la résistance du ballon. C'est 3 Oui, kilowatts, hein, Fabien. effectivement. Alors non, la puissance du ballon fait 2,5 kW. Bon, de toute façon, c'est une puissance qui est adaptée pour chauffer le volume de ce ballon, hein. Voilà. Ok, avec ce ballon qui fait 300 Il litres fait 300 litres. d'air, puisqu'on nous a posé la question de la capacité, Voilà. faudra que le ballon fait 300 litres, hein, pour information. Voilà, effectivement. Le ballon fait 300 litres. Il fait 300 litres de par sa constitution. Il n'est pas actuellement possible d'avoir d'autres types de tailles. Ce qu'il faut bien comprendre, c'est que ce ballon de 300 litres regroupe à la fois la partie solaire et la partie à points. Donc, en réalité, il faut compter quand même un volume de 300 litres lorsqu'on commence à avoir des besoins d'une famille de 3 ou 4 personnes, hein. Voilà. Peut-on chauffer, pardon, une boucle de chauffage au sol liée à une pompe à chaleur de la même façon que le chauffage d'une piscine? Alors, j'imagine que la question fait référence au mode piscine directe où l'on vient faire circuler directement l'eau du circuit dans les capteurs. Aujourd'hui, ce type d'installation n'est pas réellement préconisé, du moins surtout pas avec le circuit de chauffage en direct. Premièrement, la première raison, c'est que le capteur DualSun, malgré ses grandes capacités à faire à la fois de l'électricité et de l'eau chaude, possédera des températures, on va dire, de fonctionnement plus basses en hiver. Donc, en fonction du type d'installation, le chauffage peut ne pas être véritablement compatible. Après, là où le panneau DualSun peut s'avérer vraiment efficace en mode chauffage, c'est vraiment lorsqu'il est en mode préchauffage de pack, mais sur la boucle primaire, et où derrière nous aurons une boucle secondaire pour réaliser le chauffage de l'habitation. Et ça, c'est vraiment une solution qui aujourd'hui, par contre, est validée par DualSun. Serge pourra le confirmer, qui est vraiment prometteuse, que au lieu de, par exemple, d'avoir de l'eau primaire à réchauffer avec sa chaudière ou sa PAC en hiver, je vais dire une bêtise, mais dans les 5 degrés, les panneaux vont peut-être pouvoir la réchauffer à 10-15 degrés ou même plus, hein, si l'ensoleillement est favorable. Et donc, c'est toujours déjà des économies et des kilowattheures de gagner sur la partie primaire de l'installation. Voilà. Oui, effectivement, je complète Fabien en rappelant que l'hiver, on va pouvoir chauffer au maximum à 35 degrés. Donc, quand les conditions d'ensoleillement sont favorables, on obtiendra du préchauffage d'eau, tu as raison de le dire, préchauffage d'eau à 35 degrés l'hiver. Donc, c'est largement suffisant pour faire du chauffage dans une maison, tout le monde le comprend. Par contre, c'est un apport énergétique conséquent pour coupler avec une pompe à chaleur derrière, clairement.
Effectivement, ça répond, cette question répond à trois, quatre personnes différentes. En tout cas, on vous propose de revenir vers nous par mail selon les projets que vous avez, de manière à ce qu'on puisse vous guider et vous dire clairement la faisabilité ou non d'un projet, aussi bien en ECS qu'en chauffage piscine ou que de type SSC comme nous demande Sylvain, il y a quelques instants, et Hervé Prévost aussi. Dans le système simple de chauffage piscine, Fabien Serge, est-ce que les capteurs vont-ils supporter les traitements piscine, chlore, brome et eau salée? Oui, c'est fait pour. C'est compatible, effectivement, chlore, brome et sel. Tout ce qui, voilà, tout ce qu'on met aujourd'hui dans une piscine, c'est compatible et validé avec les capteurs. C'est tout l'intérêt. On a directement l'eau de la piscine qui circule dans le système et tout ça est alimenté avec la pompe de la piscine existante. On n'a pas une deuxième pompe comme on a sur besoin d'une pompe en plus comme on a sur un saisie, par exemple. C'est la pompe de la piscine qui fait fonctionner le tout. Les garanties sont-elles les mêmes, Serge, aussi bien pour de l'eau chaude sanitaire que pour du SSC, que pour du l'eau de piscine, nous demande Christophe Huret. J'ai pas compris le début de la question. Est-ce que les garanties, du coup, sont les mêmes, nous demande Christophe Huret sur la partie aussi bien eau de piscine que eau chaude sanitaire? En termes de garantie produit, oui, c'est la même Oui, chose. Oui, voilà, hein, on si c'est ça la confirme. question, c'est exactement la même chose. Donc, les garanties produits, je rappelle, c'est 10 ans en garantie produit. On rajoute 10 ans de garantie main-d'œuvre, un forfait main-d'œuvre pour les installateurs agréés. Et on a 25 ans sur le productible photovoltaïque. Voilà, ça c'est pour le panneau hybride. Alors, la question a été reprécisée concernant tout à l'heure ce que j'ai essayé de répondre sur l'inclinaison. Y a-t-il plutôt, et c'est peut-être ça la question, merci Sylvain, une inclinaison minimum et une inclinaison maximum? Non, non, on n'a pas cette problématique, je dirais. On a une hauteur d'installation maximum à respecter par rapport à la pompe, notamment en piscine ou en saisie. Fabien pourra peut-être le Oui. développer avec moi. Donc c'est la différence entre le panneau et le ballon. Du coup, Fabien, tu peux intervenir Il y a une petite intermittence. Est-ce que vous m'entendez tous? Oui. Ouais, on t'entend. Alors, en complément de réponse, donc sur l'inclinaison, je vais vous apporter une précision en fait sur le fonctionnement du panneau. Ce qu'il faut bien comprendre avec le panneau Spring de chez Dualsun, c'est que la récupération de chaleur se fait par conduction. Donc, en fin de compte, sur la partie thermique, l'inclinaison va certes avoir une importance vraiment majeure sur la partie photovoltaïque. Après, elle va également en avoir une quand même sur la partie, on va dire, chauffage. Mais ce qu'il faut bien comprendre, c'est que à partir du moment où le soleil vient réchauffer l'ensemble du capteur, la chaleur va pouvoir être récupérée. Et donc, en fin de compte, comparé à un capteur thermique classique où là, on va vraiment se soucier de l'angle d'inclinaison, étant donné qu'on récupère uniquement la chaleur par conduction, l'inclinaison peut être un petit peu moins importante sur ce type de capteur. Parce qu'en fait, de toute façon, la récupération se fera uniquement par conduction, via l'arrière du panneau. Donc, je pense que ça apporte sans doute une réponse complémentaire à votre précision, Serge. Manuel nous posait la question de est-ce que pour les springs, les panneaux sont-ils les mêmes en paysage et en portrait? Oui. Oui, tout à fait. En fait, chez Dualsun, il existe à la fois des liaisons pour les raccorder en mode portrait et à la fois des liaisons en mode paysage. La seule spécificité va être pour l'utilisation en mode piscine directe, comme on a pu le voir, où là, étant donné que l'on fait circuler uniquement l'eau de la piscine dans les capteurs, le débit de circulation va être différent du mode ECS ou ECS plus piscine.
Donc, en réalité, nous avons des liaisons à l'arrière des capteurs qui vont être de section plus importante pour favoriser ce débit et l'échange. Et ces liaisons, à aujourd'hui, ne se font qu'en mode portrait. Pourquoi? Parce que lorsqu'on fait circuler l'eau dans les capteurs en mode piscine, on n'utilise pas un échangeur. Et donc, arrivé à la période hivernale, si on se situe dans une région de France où il gèle l'hiver, eh bien, il faut pouvoir, à la fin de la saison, vidanger les capteurs, l'installation, pour qu'il n'y ait pas de problème au niveau des panneaux. Donc, c'est pour cela qu'il est installé à chaque fois pour ce type d'installation un kit vidange. Donc, le panneau en fonctionnement sous pression n'est pas auto-vidangeable, hein, mais seulement, par contre, lorsqu'il est en mode portrait en utilisation piscine, il va quand même pouvoir se vidanger uniquement, mais on préconise ce fonctionnement uniquement en fin de saison pour vidanger complètement l'installation. Et donc, la vidange du panneau est possible qu'en mode portrait. Donc, c'est la seule spécificité, c'est pour la piscine. Ok, oui, effectivement, Emmanuel, en Nouvelle-Calédonie, tu as peut-être peu de chances d'avoir du gel. Effectivement. Enfin, une dernière question pour laquelle je pense on n'a pas encore répondu, ou en tout cas qu'on va repréciser, pardon, c'est comment est gérée la température de l'eau chauffée et réinjectée dans la piscine? En été, celle-ci peut monter très haut via l'échangeur, non? Alors, ce qui se passe, alors que ce soit en mode ECS plus piscine ou en mode piscine, donc c'est toujours la régulation solaire qui va piloter l'installation. C'est-à-dire que lorsqu'on va être en ECS plus piscine, on charge tout d'abord le ballon et ensuite, si les capteurs sont toujours en capacité de produire et à température suffisante, on va basculer sur la piscine et on va toujours regarder quand même la température de l'eau de la piscine pour pouvoir faire l'échange. Effectivement, si on a atteint la température de consigne de la piscine ou autre, les capteurs ne viendront pas apporter le complément. Tout ça, c'est géré par la régulation solaire. Et il en est de même pour le mode piscine simple. On utilise uniquement une sonde capteur et une sonde d'applique sur le départ de l'eau de la piscine avant d'arriver dans les capteurs. Donc la régulation fait la balance entre les températures du champ de capteur et de l'eau de la piscine. Et si le champ de capteur est en capacité d'apporter des calories à la piscine, alors la régulation fait basculer la 23 voies pour lancer le circuit dans les capteurs et ainsi favoriser l'échange et réchauffer l'eau de la piscine tant que les calories sont disponibles. Voilà. Manuel nous dit du coup que si pas de gel, est-ce possible de les mettre en paysage pour le chauffage de la piscine? Alors, comme je l'ai précisé précédemment, DualSun aujourd'hui n'a développé que des liaisons portrait. Seulement, il y a entre guillemets une petite astuce pour pouvoir les mettre en paysage si vraiment l'installation n'est jamais vidangée ou autre. L'astuce, en fait, c'est de mettre effectivement l'installation en paysage, mais d'utiliser des liaisons portrait. En fait, on va juste raccorder différemment les capteurs entre eux. Donc, par exemple, là aujourd'hui, si l'on réalise sur une toiture deux rangs de 5 en portrait, on va utiliser des liaisons de 5 branches pour les alimenter. Demain, si on réalise ce même branchement, mais en mode paysage, donc on va bien mettre deux branches de 5 physiquement sur la toiture, mais par contre, hydrauliquement parlant, on réalisera 5 branches de 2 en mode portrait. En fait, la liaison sera mise dans l'autre sens. C'est la seule solution pour pouvoir faire du paysage avec le mode piscine, mais à condition de ne pas avoir de gel, effectivement. Et à condition également que la structure qui va porter les modules puisse être compatible avec les liaisons dans ce sens aussi. C'est vrai que c'est un point important lors des dimensionnements et de l'étude. Il faut toujours s'assurer que le cheminement des liaisons hydrauliques derrière les capteurs puisse se faire correctement en fonction de la structure qui est posée. Alors pour préciser, Torres nous dit pas de risque de sortir trop chaud au niveau des buses avec des personnes devant. La 23 voies et le bypass gèrent donc bien la température de mélange. Alors, la régulation solaire, elle, va connaître la température dans les capteurs. Effectivement, ici, après, ça peut être un paramétrage, c'est-à-dire que
On peut très bien limiter dans l'utilisation la température du champ solaire à une valeur maxi. Après, effectivement, une fois que l'eau est passée dans le champ solaire, de toute manière, elle revient se mélanger avec l'eau qui a été bypassée. Donc, elle se remélangera toujours avant d'atterrir dans la piscine. Donc, normalement, il n'y a pas de risque, si on prend les bonnes précautions et si on applique le bon réglage dans la régulation, de venir se brûler. Merci Fabien. Y a-t-il d'autres questions avant que l'on termine? Alors, sur le chat, en tout cas, je ne vois pas d'autres questions. Donc, à la rigueur, en attendant que peut-être une dernière question arrive, je vais prendre le devant en remerciant évidemment Serge, notre partenaire de chez Dualsun, d'avoir été présent ce matin avec nous pour ce webinaire. Et évidemment aussi, tous vous remercier puisque on a été jusqu'à plus de 70 personnes présentes ce matin. C'est une belle réussite et merci à tous. Évidemment, remercier mes collègues pour la participation et l'organisation de ce webinaire, pardon. Je ne vois pas d'autres questions arriver. En tout cas, vous avez notre contact. Nous allons vous envoyer à tous à titre individuel les présentations de ce webinaire ainsi que l'enregistrement vidéo de ce webinaire, de manière à ce que vous puissiez ben, le revoir si vous avez oublié des éléments et autres. Et bien entendu, nous sommes à votre disposition pour répondre à vos projets thermiques, hybrides et photovoltaïques sur nos deux agences. Est-ce que peut-être Serge, tu veux ajouter un mot pour terminer? Moi, de mon côté, en tout cas, c'est terminé. Il n'y a pas d'autres questions. Alors moi, je vous remercie à nouveau tous d'avoir été là ce matin. C'était un grand plaisir de partager avec vous. J'espère vous avoir donné envie d'en savoir un peu plus sur Dualsun. Évidemment, en une heure de temps, on n'a pas le temps de tout voir en détail, mais l'objectif, c'était vraiment de vous donner envie de gratter un petit peu plus sous la surface et puis de vous convaincre que la technologie était efficiente aujourd'hui, que ça vaut le coup de regarder et surtout, c'est très différenciant en clientèle et c'est ce qui intéresse vraiment les particuliers parce qu'on augmente sensiblement les rendements énergétiques du bâtiment. Voilà. Donc merci à tous et j'espère à très bientôt. Merci beaucoup, merci, merci. Et vivement, Stéphane, vous pouvez nous contacter directement via les adresses que vous voyez en ce moment même sur la dernière page et évidemment sur l'adresse aussi qui va vous recontacter pour vous transmettre en tout cas ces éléments. Je vous souhaite à tous un très bon week-end d'avance et de futures bonnes vacances en tout cas pour ceux qui vont les prendre prochainement. Bonne journée à tous, merci beaucoup. Merci à tous, bonne journée, au revoir.